0132. Allez, attention. Et top, ça y est, petit passage à 26 nœuds. Allez, on va offrir une petite bouteille de champagne au bateau. Alors, il s'agirait de s'installer, parce que c'est pas simple de tenir debout là. Tour Neptune. Je sens que ça va sauter partout. Et voilà, on est venu. Champagne chaud, c'est pas top, hein. Bon, allez, ça suffit comme ça. Well, Neptune, merci de m'avoir laissé passer l'équateur. Au bateau. La tradition, un petit cognac cogonné. Passage à l'équateur. Oh Dieu, il est fort. Hop là là. Que du bon. À Neptune et Éole. On ressortira pour le prochain cap, tu vois. Tout va bien avant de mettre en coque. À bord du bateau Vatrocoque, à tous les élèves des écoles de Saint-Fulgent et des Essarts, pour vous dire que tout va bien à bord de notre beau Vatrocoque. Nous sommes rentrés ce matin dans l'hémisphère sud, ça y est, nous avons changé d'hémisphère, ça veut dire qu'on a passé l'équateur, et donc le 000, la latitude 0, pour changer d'hémisphère. Voilà, on reviendra après le tour dans l'hémisphère nord, dans plusieurs semaines. Voilà. Et sinon, quoi de neuf à bord de Maître Coq, regardez. Ici, les poissons, ils sont bizarres, ils ont des ailes. Vous avez vu? Des poissons volants. Ils sautent et la nuit, ils viennent tomber sur le bateau, parfois, attirés par la lumière. Donc voilà, des poissons volants à bord de Maître Coq. Voyez-vous l'école, comment ça se passe? Bien? Eh bien, j'espère pour vous. Et à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Tout va bien à bord des Prismian Group. Et les bilans depuis le départ, c'est qu'on a rencontré différents systèmes météo qui nous a permis bien de mettre dans les rythmes. Et là, depuis quelques jours, voilà. À bord, on cherche de mettre du charbon pour réveiller un peu sur les camarades à l'avant. Et sinon, je peux vous dire qu'il fait chaud, très très chaud. Et la chose qui me manque le plus, c'est une mozzarella di bufala dès le sud d'Italie, et je pourrais me la manger tout de suite comme ça avec bam, comme une pomme. Voilà. J'ai vu un riz, le bateau en pané à cause d'un pilote qui a décroché. Bon, on a résolu le problème depuis, mais ça a failli m'emmener le J2, je fais tomber ma... Voilà, j'ai eu un peu peur, j'ai mis un peu de temps à m'en remettre. Du coup, toute la journée hier, c'était j'envoie pas. Mais bon, je surfe quand même, j'ai en moyenne à 14-15 nœuds, avec des surfs à 19-22. Je me dis que ça ira, hein. Si je ne veux pas m'arrêter au Brésil, on va continuer comme ça. Et puis, voilà, donc c'était pour donner des news.
Avec la plongée d'il y a 3 jours et hier matin la cocotte, derniers jours ont été plein d'émotions, on va dire. Mais bon, autrement tout va bien. Avant, j'ai rien cassé. Heureusement, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai rien pété. Donc, enfin si, je sais comment j'ai fait. Mais voilà. Bon, bah, grosse pensée à vous et à tous ceux qui galèrent dans le confinement. Allez, tchuss!